Le secrétaire général de la compagnie aérienne nationale, Reda Sgir Tubal, a démenti ce matin les informations ayant circulé sur les réseaux confirmant la reprise des vols internationaux. Intervenant sur le plateau d'Eshorouk Morning, le responsable a nié en bloc la reprise des vols mercredi prochain, soulignant que la compagnie nationale met de plus en plus d'efforts pour réaliser ses missions de rapatriement. L'invité d'Eshorouk a notamment dévoilé qu'Air Algérie poursuivra ses vols de rapatriement des citoyens désireux de regagner le pays. En outre, Air Algérie a annoncé ce dimanche la poursuite des vols de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger à cause de la pandémie du coronavirus, Covid-19. Nouveaux vols de rapatriement seront programmés afin d'assurer le retour au pays des Algériens bloqués à l'étranger à cause de la pandémie Covid-19, a fait savoir le porte-parole d'Air Algérie, Amine Andalousi, qui n'a pas fourni plus de détails. Rappelons que l'opération des vols de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger a été lancée le 4 décembre dernier par Air Algérie, et a pris fin ce samedi 19 décembre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci.